Hello les amis, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, sachant que vous me l'avez demandé pendant les Vlogmas, enfin je vous l'avais proposé et vous avez été très nombreuses à me dire oui, on veut la voir, c'est la recette du poulet à l'ananas que je fais très régulièrement, tout simplement parce que moi j'aime bien quand c'est facile, quand c'est rapide et quand c'est super bon. Et en plus, il me semble que ça doit être équilibré, donc je vous partage ça tout de suite et j'espère qu'elle vous plaira. Et surtout, si vous la faites chez vous, n'hésitez pas à la prendre en photo et puis à me taguer sur les réseaux sociaux et aussi à mettre le hashtag pourquoi pas poulet ananas MGDF, MGDF comme mon grain de folie. Voilà, c'est parti, je vous laisse avec la recette. Avant de commencer la préparation de la recette, je vous conseille de faire cuire du riz, environ 250 à 300 g pour 4 personnes. Pour cette délicieuse recette de poulet à l'ananas, nous aurons besoin des ingrédients suivants. 4 beaux filets de poulet, en général je prends du Label Rouge, 2 cuillères à soupe de maïzena qu'on va prendre séparément, 2 cuillères à soupe d'huile en mélange, vous pouvez utiliser de l'Isio 4 ou de l'huile d'olive comme j'ai fait là. 1 cuillère à café de gingembre, 1 cuillère à café de curry, j'utilise des petites cuillères doseuses comme ça. 2 cuillères à soupe de sauce soja et une boîte d'ananas en morceaux. S'ils sont déjà découpés, c'est très bien. Du poivre et du sel. On va commencer par venir découper nos filets de poulet en fines lanières. Ou moi, ce que je fais d'habitude, je ne sais pas pourquoi pour la vidéo, j'ai pas fait comme d'habitude, sûrement pour aller plus vite. Normalement, je les coupe en petits cubes. Comme ça, je trouve que c'est mieux, c'est plus homogène dans le mélange par la suite. Au fur et à mesure, on va venir réserver dans un saladier et on continue. On continue jusqu'à temps que tous les filets de poulet soient découpés. Ensuite, on va venir mettre une cuillère à soupe seulement de maïzena, du sel et du poivre dans le saladier. Et on va venir mélanger pour enrober en fait les lanières de poulet du mélange de fécule et de sel et de poivre pour que tout soit bien enrobé. On va venir mettre nos deux huiles ou plusieurs huiles, enfin l'huile au moins que vous avez choisie, dans le fond du wok ou de la poêle pour que ça préchauffe. On va verser le contenu du poulet enrobé dans le wok et ça va commencer à frire un petit peu. On va mélanger et on va laisser ça cuire pendant 5 minutes. On mélange un petit peu. Pendant ce temps, on va venir préparer la sauce. On va récupérer le jus contenu dans la conserve d'ananas. On la met de côté dans un bol ou un autre récipient. Et on va venir rajouter les autres ingrédients, c'est-à-dire la sauce soja, la fécule de maïs, donc la deuxième cuillère à soupe qu'on a mis de côté, la cuillère à café de gingembre et la cuillère à café de curry. On va venir mélanger pour obtenir un mélange homogène. Et une fois que les 5 minutes sont passées, on va venir ajouter cette sauce à la préparation du poulet qui est en train de cuire. Voilà, on verse tout. Et on va venir aussi rajouter les morceaux d'ananas et bien mélanger le tout pour que ça cuise bien ensemble. À partir de là, vous remettez à cuire 5 minutes, c'est hyper rapide et surtout, normalement, au bout des 5 minutes, le riz aura fini de cuire parce que ça fera 10 minutes. Donc, il est temps de dresser. On met un petit nid de riz, enfin la quantité que vous désirez, et ensuite, vous mettez vos morceaux de poulet et d'ananas avec un petit peu de sauce. Et là, je vous dis, on va se régaler tellement c'est bon. Tellement ça sent bon, il y a de bonnes odeurs et là je vous souhaite vraiment un bon appétit. J'espère que cette petite recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'encourager en mettant un petit like, à me laisser un commentaire parce que je réponds toujours. Si vous aussi vous avez des recettes sucrées salées comme ça qui sont rapides et faciles à faire parce que moi j'adore ça. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous en prie, abonnez-vous. Hein. Plus on est de fous, plus on rit. Et puis je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao !